Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi matin où il fait magnifiquement beau. Voilà. Le soleil est là. Bon, il est 8 h du matin. Je suis en train de préparer le petit déjeuner à Ilan. Je vais vous prendre pour une petite journée avec moi. Je vais faire ça aujourd'hui. Je suis en train de préparer le petit déjeuner à Ilan. Je vais faire des pancakes. Donc, je voulais un peu vous présenter cette petite recette. Donc, c'est des pancakes. Alors, c'est tout simple, hein. C'est des pancakes au flocon d'avoine. Il y a beaucoup de soleil. Alors, je vais vous poser là et je vais. Attendez. Comme d'habitude. Hein. Désolée, je vous remue un petit peu dans tous les sens. Voilà. Je vais vous poser là. Je vais vous mettre comme ceci. Attends, je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est de la vidéo. Sur le pouce. Hein. Voilà. Donc moi je vais les faire au blender, mais évidemment vous pouvez les faire tout à fait sans blender. Hein. Alors, je vais essayer de me mettre comme ceci. Bon, comme ceci, ça va bien. Alors, on va commencer par mettre alors 200 ml de lait. Alors, vous pouvez mettre du lait végétal. Ça commence bien. On fait dire les bêtises. Alors, vous mettez 200 ml. Ça va vous faire une quinzaine de pancakes. Après, tout dépend de la grandeur que vous allez faire. Voilà. Ensuite, vous allez mettre 50 g de beurre fondu. Moi, j'ai déjà fait pour. Ou de l'huile de coco, ou ce que. Là. Comme vous avez envie aussi. On va mettre 3 œufs. Alors, attendez, je vais les passer par là. Simple. Vous mettez une demi cuillère à café d'arôme vanille. Ou un peu plus si vous avez envie. Hein. Une pincée de sel. Du sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, vous allez mettre ce, je sais plus, je vais vérifier, à 50 g. Du sirop d'agave ou du miel liquide si vous voulez. Les oiseaux chantent ce matin. Alors, 50 g de sirop d'agave. Voilà, ensuite, ça je l'ai fait, ça j'ai fait. Une petite cuillère, enfin un petit peu de cannelle si vous aimez ça, si vous aimez pas, vous en mettez pas. Moi je mets une petite pointe de cannelle parce que nous aimons bien. Une cuillère à café de levure chimique. Le reste parce que de toute façon il reste plus rien. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ensuite vous allez ajouter des
flocons d'avoine et je vais mettre 150 grammes. Et on mixe tout ça. Alors je coupe parce que ça va faire du bruit. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, pour moi c'est fait. Et on va aller les faire cuire. J'ai mis la poêle à chauffer. Un petit peu d'huile avec mon petit pinceau. Un petit peu le feu une fois qu'il se démarre, je pense qu'il faut pas que, faut quand même que ça cuise mais que ça brûle pas. Bon, j'ai pas de micro, alors je pense que vous allez avoir du mal à m'entendre. Je vais crier. Quand ça commence à buller, on les retourne, hein, comme des pancakes tout à fait ordinaires. J'attends encore un peu, ça glisse un peu, sinon c'est pas cuit. Et voilà. Des petits pancakes. Tout facile et tout bon. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Bon, un petit déjeuner sympa. Voilà. Bon, moi je vais les finir et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Bon, me voilà prête. Coiffée à peu près. Hein. J'ai l'air un peu d'une folle en ce moment. C'est vrai que ça pousse, ça pousse. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc moi je vais sortir. Là, j'ai préparé mon ami Coquibou. Hein. J'ai préparé du poulet avec des petits poivrons. C'était pas ce qui était prévu au menu, mais j'ai eu envie de faire ça. Des fois, je change. Mais c'est pas grave. Il y avait ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Je vais me battre avec. Voilà. Bon, sinon, tout est fait. Tout est prêt. Léon est parti faire son petit tour avec Ilan. Il a fait dans mon village, enfin dans mon village, dans ma ville,
C'est la fête de la Pentecôte, il y a beaucoup d'animation. Comme il fait beau, ça va être super, on va se promener cet après-midi. J'essaierai de vous montrer ça s'il n'y a pas trop de monde. Parce que bon, j'aime pas trop filmer dehors. Et puis, vous me reverrez tout à l'heure, mais j'aurai probablement changé. C'est un petit indice. Je pense, si j'arrive à trouver ce que je veux. Voilà, bon, écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà, dans la voiture, je suis arrivée sur mon lieu de rendez-vous. Non, j'ai pas encore changé, vous voyez, je vous ai fait une petite farce. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. À tout à l'heure. Et voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Avis aux commentaires. Et voilà. La nouvelle Céline. Enfin, nouvelle coupe de cheveux, pas nouvelle Céline. Donc, voilà. Un petit peu de volume. Donc, ils ont coupé un peu. Enfin, elle a coupé un peu. Et puis, elle a régalisé. Et je voulais des petites bouclettes. Donc, voilà. C'est fait. Voilà. Ça change. J'aime beaucoup. Alors, ça qui aime pas, tant pis, hein. Mais moi j'aime. Bon, je ne sais pas occuper les sourcils, par contre, je vais laisser parce que je les aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vais vous laisser pour là, parce que je vais pas avoir grand chose d'autre à vous dire. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Profitez bien de ce long week-end, hein, avec vos familles, vos enfants, tout ça. Enfin, bref, comme d'habitude, profitez bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.